L'est de Java, dans le chapelet des 13 600 îles qui constituent l'Indonésie, encerclée par de dangereux courants marins, l'île de Komodo recèle bien des mystères. Colomba de la Panouse est une zoologiste française. Cela fait quelques années qu'elle se consacre à la préservation d'un animal aussi rare qu'étrange, le varan géant. Plus connu sous le nom de dragon de Komodo. Putra Sastrawan, lui, est balinais. Il a été l'un des premiers scientifiques à travailler sur le terrain au contact des reptiles géants. Ces deux spécialistes ont organisé une expédition commune à Komodo. Komodo est une île tropicale où cohabitent des espèces qui semblent tout droit sorties de la préhistoire. Les chauves-souris roussettes vivent par milliers dans la mangrove. Mais Komodo est avant tout le royaume du varan géant, le digne héritier du dragon de nos légendes. Sa peau est épaisse et recouverte d'écailles arrondies ou ovales. Ses griffes acérées font de lui un prédateur redoutable. L'existence des varans géants ne fut découverte qu'au début des années 1900. Suite au crash d'un avion hollandais à proximité de l'île. Le pilote nagea jusqu'à la plage où il se retrouva nez à nez avec un monstre. De retour à la civilisation, personne ne le crut. Il fut même menacé d'internement. Un an plus tard, en 1912, les dragons furent officiellement reconnus par les scientifiques qui lui donnèrent le nom de Varanus komodoensis. Malgré la distance qui les sépare, Colomba et Putra travaillent depuis plusieurs années ensemble. Ils sont à l'origine de programmes de préservation des varans géants. De nos jours, leur population est estimée entre 1500 et 3000 individus répartis sur les quatre îles, Komodo, Rinca, Guillemotang et Flores. Pour approcher les plus grands lézards du monde, il faut toujours se munir d'un bâton fourchu qui sert à les repousser. En règle générale, les dragons n'attaquent que pour manger. S'ils peuvent être dangereux pour l'homme, les accidents restent très rares et souvent liés à l'imprudence. On trouve aussi des varans en Afrique et en Australie, mais ceux qui vivent à Komodo sont les plus primitifs. Ce sont les derniers descendants des dinosaures carnivores qui peuplaient l'Asie tropicale. C'est la deuxième visite de Colomba à Komodo. Mais ça reste pour elle une expérience passionnante de pouvoir observer les varans dans leur milieu naturel. Cela lui permet d'avoir une meilleure analyse de leurs besoins et ainsi d'améliorer leur milieu captif. Les varans sont des animaux à sang froid et comme tous les lézards, ils doivent se chauffer au soleil avant toute activité. Putra est équipé d'un appareil destiné à mesurer à distance leur température. À 6 heures du matin, cette température oscille entre 25 et 26 degrés. Une heure plus tard, elle dépasse déjà les 30 degrés. Chaque jour, après 2 ou 3 heures d'exposition, les dragons sont rechargés comme des batteries. Ils sont maintenant capables de partir à la recherche de leur proie. «
onto this kind of animal. See? And then that one give a threat to our one. Même s'ils sont d'impitoyables prédateurs, les varans de Komodo sont aussi charognards et jouent un rôle régulateur. Ils passent beaucoup de temps sur les plages en quête de poissons ou de pieuvres rejetés par la mer ou les pêcheurs. Accusés dans le passé de déterrer les morts et même de dévorer des enfants et des vieillards, les dragons font moins peur de nos jours. Les varans ne sont peut-être pas d'excellents nageurs, mais ils sont capables de franchir les quelques kilomètres qui les séparent des îles les plus proches de Komodo. Les varans ne sentent pas du tout avec leur museau. Ils utilisent leur langue pour capter les particules d'odeur et les ramener à l'organe de Jacobson. Oui, c'est exact. Grâce à cet organe de Jacobson, situé au fond du palais, il peut détecter une odeur à plus de 7 km. Une fois mis en appétit, le dragon produit une salive qui coule en abondance. On sait depuis peu qu'elle contient plus de 50 bactéries différentes, pour la plupart dangereuses. La moindre morsure peut entraîner la mort de sa victime dans les 24 heures. Grâce à son sens olfactif très sophistiqué, le varan retrouve immanquablement sa proie agonisante. Ses dents recourbées en forme de scie lui permettent de dépecer des proies aussi conséquentes que des sangliers ou des cerfs. Les pêcheurs ont toujours vénéré et protégé le dragon. On raconte ici qu'à la création du monde, les hommes et les dragons vivaient en parfaite harmonie, jusqu'au jour où Dieu, mécontent du comportement des hommes, décida de les mettre à l'épreuve en dotant l'animal de griffes puissantes et d'une salive mortelle. Columba s'intéresse de près au lien mythique qui unit les habitants aux varans. Les habitants lui racontent alors une autre légende, celle d'une princesse mariée à un roi qui mit au monde des jumeaux, une fille dragonne et un garçon. Mais, à l'adolescence, les jumeaux furent séparés et la jeune dragonne abandonnée dans la forêt. Son frère ne l'oublia jamais et toute sa vie, il lui fit envoyer régulièrement de la nourriture. Cette tradition est encore respectée par la population qui a coutume de laisser une part de sa chasse pour les dragons de la forêt. Jusqu'en août 1994, les rangers étaient autorisés à jeter des chèvres en pâture pour nourrir les varans en guise d'attraction pour les touristes. Oubliant la vie sauvage, les dragons s'approchaient de plus en plus des habitations pour réclamer leur nourriture. Ces pratiques sont désormais interdites, mais quelques géants regrettent les temps d'autrefois. Quand vous voyez ce dragon, ce n'est pas le monstre qu'on imagine. C'est juste un dragon qui dort tranquillement dans le bureau du parc national.
Ils mangent davantage en ce moment, peut-être parce que c'est la saison sèche et qu'il y a beaucoup de nourriture disponible. Ils profitent du fait que les herbivores sont engourdis par la chaleur. Oui. D'après mon expérience, c'est pendant la saison sèche, en effet, qu'ils se nourrissent avec le plus de facilité. Ses coussinets de peau sont gonflés. Cela signifie qu'il a beaucoup mangé et qu'il est en train de grossir en muant. Les accouplements chez les varans ont lieu une fois par an, dès le mois d'août. Bien que les femelles soient plus petites et légèrement plus fines, il est très difficile de les distinguer des mâles au premier coup d'œil. Poutra a pu constater qu'à la période des amours, les femelles semblent moins nombreuses que les mâles, mais c'est parce qu'elles se cachent. Elles préfèrent ne pas être confrontées aux manœuvres d'intimidation entre mâles rivaux. Le souffle est le seul son émis par les dragons. Il signale son mécontentement. Un mâle essaie d'impressionner son adversaire, et si cela ne suffit pas, il engagera une poursuite. La queue est une arme redoutable. Tel un sabre puissant, elle peut asséner un coup terrible au poursuivant. Mais le varan se fatigue vite et il finit par céder à l'envie d'une sieste. C'est d'ailleurs l'une de ses principales activités. De fait, il passe des journées à digérer en dormant au soleil. Un varan géant, qui peut dépasser 3 mètres de long pour un poids de 160 kg, est capable d'ingurgiter 35 kg de viande en quelques minutes, mais il peut laisser passer plus d'une semaine avant de s'alimenter à nouveau. Il peut vivre ainsi jusqu'à l'âge de 50 ans environ. Les dragons, que les pêcheurs nomment Aura, sont des rescapés de la préhistoire. On pense qu'ils seraient apparus il y a 140 millions d'années. Et c'est, semble-t-il, parce que le climat n'a jamais subi de grandes variations dans ces îles si singulières qu'ils ont survécu. Vers 11 heures du matin, il y a un regain d'énergie chez les varans. Colomba et Poutra constatent la présence de tiques, logés dans les replis de la peau et autour des yeux des reptiles. Des scientifiques russes dirigent une étude sur le sujet, car ces acariens peuvent générer des maladies graves. Ces animaux indolents manifestent quelques signes d'agitation. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un conflit de territoire. Le dominant fait respecter son territoire et exige la soumission de son rival. Les affrontements entre mâles peuvent être très violents et provoquer de sérieuses blessures. Mais le plus souvent, ils se soldent par une posture de soumission qui ressemble à un accouplement, où le dominé subit le poids, le marquage de l'odeur et un ultime coup de griffe du plus fort avant de quitter la place.
Parmi les étranges créatures qui peuplent l'île de Komodo, le mégapode est un oiseau de la famille des gallinacées qui a la particularité de construire à même le sol des nids gigantesques. Ces oiseaux se donnent beaucoup de mal pour construire leur nid. Oui, les mégapodes construisent leur nid en grattant le sol et en rassemblant toutes sortes de matériaux, des feuilles, des branches, de la terre. Au sommet de ce monticule d'environ 1,50 m de haut, ils creusent et déposent leurs œufs. Ils obtiennent ainsi une température constante grâce à la fermentation de l'humus. Mais les varans ne viennent pas juste manger les œufs des mégapodes, il leur arrive aussi de s'approprier leur nid. En effet, lorsqu'ils sont en quête de nourriture, les dragons creusent les nids des mégapodes pour manger leurs œufs. Et par la suite, ils occupent ce même nid pour pondre leurs propres œufs. Après la ponte, la femelle varan sacrifie volontairement un de ses œufs, qu'elle laissera en appât aux prédateurs sur le sommet du nid, afin de protéger les 24 autres enterrés à 1,50 m de profondeur. C'est dans ce même esprit qu'elle creuse plusieurs terriers, tous à proximité des uns des autres, pour servir de leurre aux mâles dragons, car eux aussi sont les prédateurs cannibales de leur progéniture. Pendant les 8 mois d'incubation, la femelle veille sur le terrier. Elle ne le quittera pour ainsi dire jamais, se contentant pour se nourrir des rongeurs et autres petits lézards de passage. Il arrive même que des femelles se laissent mourir de faim plutôt que de laisser leurs œufs sans surveillance. Et quand on sait que seuls 10% des bébés varans atteindront l'âge adulte, on comprend les inquiétudes des scientifiques chargés de la protection de l'espèce. La deuxième île fréquentée par les varans géants s'appelle Rincha. Elle est située à plusieurs heures de bateau de Komodo et abrite une faune différente. D'ailleurs, les varans qui vivent sur cette île, bien qu'ils fassent partie de la même espèce, varient génétiquement de ceux de Komodo. Rincha est plus dépouillée et plus désertique. Malgré tout, elle est le refuge de nombreuses espèces animales. Les macaques, en particulier, apprécient la prolifération des fruits qui se succèdent au fil des saisons. Ces singes, tout comme les énormes buffles d'eau, figurent ici parmi les victimes potentielles des dragons. À l'instar de ce lézard, les bébés dragons, dès qu'ils sortent de leur œuf, trouvent refuge sur les arbres les plus proches, se nourrissant d'insectes, d'oiseaux et d'autres lézards. L'arbre constitue en quelque sorte leur garde-manger et surtout une protection contre tous les prédateurs. Colomba et Poutra sont à la recherche de varans juvéniles. Âgés de plusieurs mois, ces adolescents commencent à descendre de leurs arbres protecteurs. À cet âge, ils peuvent commencer à participer aux orgies de viande des adultes. Les juvéniles portent des zones de coloration jaune, vertes et roses, à la différence des adultes qui sont d'un marron plus terne et uniforme. À terre, les plus jeunes sont méfiants et jamais vraiment tranquilles. D'instinct, ils savent qu'ils constituent aussi une proie de choix pour les varans adultes et les rapaces. Après les cerfs, les buffles, les sangliers, les singes, les jeunes varans représentent 5% du repas de leurs propres congénères.
Là-haut, perché, le jeune est à l'abri de ses congénères adultes, bien trop lourds et malhabiles pour pouvoir le suivre. Au sein de leur propre espèce, la vie des dragons est donc très menacée. De plus, les herbivores qui constituent leur principale nourriture se raréfient à cause du braconnage et des incendies volontaires qui détruisent leur habitat. This island is also considered as very old. Les lieux où vivent les dragons nous ramènent à l'époque du Jurassique, inchangés depuis des centaines de milliers d'années. Ces lieux très particuliers méritent toute l'attention du monde scientifique. Leur préservation dépend désormais entièrement de la sagesse de l'homme. Pour Colomba de la Panouse, c'est une évidence et une urgence. Il faut continuer à protéger ces animaux hors du commun. Les pêcheurs de Komodo et de Rinchat ont su jusqu'à présent les respecter, car même si ces animaux ne leur sont d'aucune utilité, ils font partie de leur histoire. De l'île de Komodo à Thoiry, en France, il n'y a qu'un pas. Un pas de dragon, bien sûr. Colomba est de retour sur son lieu de travail. Elle est convaincue que la conférence internationale sur la protection des dragons qu'elle a organisée à Thoiry se prolongera en actions concrètes sur le terrain. Il faut prévenir les incendies, empêcher le braconnage et aussi compter les dragons, car les derniers recensements datent et le manque de moyens n'a toujours pas permis un comptage précis. À Thoiry, Colomba prend soin d'un couple de dragons nés aux eaux de Yogyakarta. Le soigneur qu'elle accompagne présente toujours sa main à l'animal, non pas pour l'apprivoiser, mais pour se faire reconnaître par son odeur et être accepté sur son territoire. Colomba espère que les échanges d'informations et de techniques entre les scientifiques permettront d'améliorer la gestion des varans en captivité, et surtout sur le terrain, afin d'assurer leur survie. Elle aimerait que les dragons de Thoiry soient les ambassadeurs de leur espèce et que les visiteurs occidentaux soient sensibilisés à la protection de ces animaux rares. Les varans de Komodo doivent leur survie à un incroyable concours de circonstances. C'est sans doute pour cela que les populations indigènes ont toujours associé le dragon à la chance. Espérons que l'an 2000, qui se trouve être l'année du dragon, portera chance à l'espèce. Puisse Komodo garder sa réputation d'île aux dragons.